suis un fantôme. Arrêtez de prier. Je suis encastré dans le truc, tu sais. Hop. C'est intéressant parce qu'on sait voir que certaines choses, la console, elle check en fait, il y a une sécurité. Et si elle voit qu'il n'y a pas, elle doit checker pour le Pokémon. Du coup, dès que vous rentrez dans les téléporteurs, elle plante parce qu'elle se dit, tiens, bizarre, il y a un truc qui est pas normal. Il n'y a pas de Pokémon derrière cette personne, il n'y a pas de Pokémon compatible. Du coup, la console, elle panique et elle plante. Enfin, du coup, l'émulation, puisque. Bah, bon, en bref, ce serait le jeu qui plante, quoi. Et c'est ça qui est marrant et fascinant à la fois. C'est de savoir comment ça marche, quoi. Hey! Non! Bah, on a trouvé un endroit où on peut pas essayer de se promener dedans ou aller plus loin, c'est celui-là, regardez. J'ai beau essayer, tu peux pas, le personnage fonctionne tout seul. Il sort tout seul, c'est même pas moi qui manipule, vous pouvez rien faire. Voilà, on a trouvé un truc sympa. Bon, du coup, en vrai, ça sert à rien. Voilà. Hop. Rentre. Voilà. Non, je voudrais sortir, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'on aura. Enfin, en tout cas, pour vous, c'est suffisant. Vous aurez assez profité de ce que je vous ai montré. En bref, on peut vraiment faire beaucoup de choses en cheat. Et c'est vraiment ultra fun. Comme là, par exemple, on peut être un gros salaud et passer dans les trucs comme ça. Et en avoir rien à foutre et vraiment faire fuck la police. Je m'en bats les rouflaquettes. Et vraiment passer comme ça là. Alors va vite et regarde du coup, regardez du coup, ben hop, en 2-2 le truc est passé quoi. C'est vraiment se foutre la gueule du jeu complètement. Je peux même carrément terminer le jeu en 2 secondes en fait, comme ça. Mais j'ai pas envie, j'ai envie de le terminer un peu normalement. Parce que je vous avais remarqué que à ce niveau-là, je cheat pas. Hein. La preuve. Non, ça c'est pas une preuve, c'est une rature ça. Je vais taper. Regardez, vous voyez, il me manque un badge. Ce qui prouve que je ne cheat pas. Hein. J'essaie de pas trop cheater non plus. Mais en tout cas, je sais que je pourrais très bien tricher. Et vraiment, quoi, voilà, aller jusqu'au bout de la procédure et aller encore plus loin que je fais déjà. Moi, ce truc, c'est juste simplifier certaines choses. Et c'est un peu aussi pour ça, ici d'ailleurs, en parlant de ça, pourquoi je garde toujours Shymin. Oh. Pourquoi je garde toujours Shymin de côté. Premier, c'est parce qu'il est au niveau 100 et justement ça évite que des Pokémon niveau 57, 60, comme je suis au maximum du jeu, il n'y a aucun Pokémon qui est sauvage qui peut venir m'attaquer si j'y repousse. Bon, bref, je suis ultra tranquille. Regardez, mais en même temps, c'est bien parce que je vous montre des choses qu'il n'y a pas. Voilà. Regardez comme c'est moche. C'est vraiment hideux, hein. Ça, vous aurez pas. En plus, vous avez ça en 720p, 60 FPS. Enfin, normalement, c'est 60 FPS. Après, je sais pas si le jeu. Oula. Si ça. Si le truc enregistre bien en 60 FPS. Bon, bien sûr, comme d'hab, il y a des personnages que je. Qui voudront se battre contre moi. Ça, il n'y a rien à faire. C'est chiant parce que je voulais me casser en fait, je voulais pas gagner. On va pas traîner. Hein. On va essayer de se dépêcher le plus vite possible pour terminer ça. Ah, ils sont chiants ces personnages. En même temps, moi ça m'a. Si je reste à faire une longue vidéo comme ça, c'est parce que c'est amusant, c'est fun à faire. C'est une sorte de. Voilà, bah celui-là par exemple. Je veux dire, pourquoi pas le capturer quoi en tombe. Mais non, j'ai dit capturer, espèce d'imbécile.
Voilà. On l'a capturé. Merci pour ton Pokémon. Bon, techniquement, en fait, le personnage ne perd rien. Hein. Si tu rebats, ben. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, là, on voit la grotte. On se dit, ok, le côté, c'est le truc. Mais non, 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 regarde le côté, c'est rien du tout. Vous voyez? Ah, si. Si, si, en fait, je dis de la merde. Donc, il y a bien une suivi. Est bizarre techniquement, non? Bah ouais, des fois je peux me tromper. Enfin non, en fait en vrai je savais déjà, j'avais déjà vu le truc, mais j'étais plus sûr. Mais c'est pas tout à fait ça 100% non plus, mais bon. Là, on va voir un truc. Voilà. Comme on dit, c'est une façon de jouer, humoristiquement, je dis. Voilà. Je joue d'une façon bizarre. Personne ne joue comme ça, hein, sincèrement. Bon, en vrai, bah, c'est du cheat ce que je fais là, donc c'est normal. Stylé, regardez, je marche carrément sur le truc. Ça, c'est trop swag, quoi. Là. Oh non! Ce qui sert à rien. Merci, c'est justement ce que je voulais faire. Le mec qui sert à rien, tu sais. Hop. Oui, je sais, on devait se quitter, mais on va d'abord faire dernier petit plaisir, c'est d'aller dans cette arène et un peu se promener sur le truc. Voilà. Ce que. Oula. Vous voyez, le jeu n'a pas prévu ce genre de truc, regardez. Parce qu'en fait, là. Ben, en fait, c'est que. Ça, c'est qu'une image, en fait. Mais en vrai, le truc de base, il est quand même là. Hein. Quand vous descendez, hop, vous voyez. Montez, descendre, montez, vous voyez. Et là, du coup, je suis dans une zone où normalement, je peux pas être. Si j'avais le truc. Parterre de fleurs. Ah. Et là, je suis derrière le mur. Et bouh, je sors et je la tue. Non, je suis comme bien sûr. Là, je suis derrière la haie. Enfin, voilà, c'est fun, c'est cool, c'est top. Et alors, dernier truc qui était fun aussi à faire, c'est d'aller dans le truc de. Déjà réactiver le cheat code. Et d'aller dans le truc. Et oui, ici, il me semble que c'est ici qu'il y a l'histoire du machin. Non. Voilà, Ten Galaxy, ouais. Attendez, on va revenir là-bas. Ah. On va récupérer ça. Voilà, ici c'est superbe, sympa aussi. Ben, on va rentrer dedans tout simplement. Hein. C'est but. Voilà, moi j'aime bien aussi cette zone. Elle est fun, bien sûr, comme je vous ai dit, regardez, voilà. Regardez ce que ça fait là. Vous avez vu, c'est stylé, hein? Enfin, c'est stylé, j'en sais rien si c'est stylé, mais en tout cas, moi je trouve ça marrant. C'est qu'en fait on voit les espèces de faux trucs d'ombre en fait. Du coup c'est marrant.
C'est marrant de voir que c'est juste une sorte de calque en fait. La maison hantée, bien sûr. Hantée, MDR. Oula, je suis rentré dedans, c'est ça? Ouais. Bon, y a rien de spécial, c'est juste une maison hantée en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette maison hantée? Je vais dormir dedans, non? C'est nul alors. Ah bah voilà, regardez, vous voyez ici, normalement, je suis pas censé être. Vous voyez, parce que je peux pas sortir de là. Donc ça veut dire que techniquement, je suis pas censé être là. Et c'est ça qui est marrant. Et là, maintenant, je suis calé dans le poste de télévision, génial. Bah oui, ils vont rien mettre dedans parce que je sens que là aussi c'est pareil, non? Voilà, je peux. Là en fait, je suis pas censé y être. C'est une fausse. C'est des fausses zones. Voilà, vous voyez? La combre. Ou alors je comprends pas trop l'histoire, mais c'est assez bizarre. Hop. Aha. Ah, apparemment c'est pas censé exister. Ah, si, c'est là. Bah, pourquoi ça bug alors? Ouais, j'ai pas compris. En fait, c'était existant, c'était prenable. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas. Enfin, c'est assez spécial. Oula! Oui, je sais ce que j'ai fait, ça fait bizarre. Tiens, un super bonbon cool. Bon, techniquement là c'est plus moi le fantôme que les fantômes eux-mêmes, mais c'est ça qui est rigolo. Du coup c'est moi qui joue le rôle du fantôme qui vient faire chier son monde, qui vient chaparder tout. C'est moi le fantôme du jeu. Voilà. Je suis le fantôme du monde. Du coup c'est marrant. Oui, il vaut mieux activer les cheats comme je vous ai dit, parce que sinon il y a des risques que je me fasse défoncer, comme on dit. Par un truc qui va faire planter mon jeu en fait. À cause que la mémoire a été vraiment modifiée. C'est un des problèmes en utilisant autant de cheats en fait, c'est que il y a des mauvais œufs, des mauvais Pokémon qui apparaissent, des sortes de Mixino en fait, qui fait que quand ils apparaissent, ben, ça plante en fait. Thomas a déjà été voir. Il a déjà tout récupéré. Comme une grande fille. Tu pourrais être fier de moi quand même, non? Non mais oh. Pour qui tu te prends? Ah, le cheat. Ça va loin là. Hein. Oh là là. Ah, c'est bon, on arrive à la fin. Vous voyez, c'est ça que je me pose la question. Pourquoi ils ont fait aussi long en termes de texturisation? C'est. Ça pourrait pas pomper plus la console? Enfin, je sais pas, je me pose la question. Ils devraient pas réduire justement ça? Pour que ça pompe pas trop la console? Enfin, j'en sais rien, je me pose la question juste. Enfin, je sais pas. Ah. Je voulais pas me battre, je voulais quitter. Décidément, j'ai pas de chance.
Mort, espèce de Pokémon, mort. Tu mourras à jamais. En un coup, tu mourras. Ceci sera ta dernière vie. Bon, allez, oust. Ah, tu casses les pieds, toi. Je t'ai pas parlé. Non, mais oh. Ah, du repousse, du repousse, du repousse. En fait, spécialement, j'y connais rien en let's play commenté. Je sais pas comment on fait des let's play commentés intéressants. Du coup, ma technique, c'est carrément faire des let's play buggés. Voilà, c'est ça le mot. C'est faire carrément des trucs que des gens habituellement trouvaient ça chiant. Mais après tout, ça fait partie de ma nature. Donc, on va dire pourquoi pas. Ah, attendez, ça, c'est une surprise, ça. Voilà. Oui, vous avez bien compris où on est. On est bien là où vous pensez. Je vais vous montrer où on est. Hop, voilà. Donc on est tout simplement ici. Voilà. Donc on va recommencer et on va passer par là normalement. Comme vous voyez, il y a un truc qui est assez spécial, c'est que ils ont fait une reproduction du truc. Tout est faussé, hein, bien sûr. Parce que comme vous voyez, ben en fait, c'est juste des sortes d'herbes. Enfin, c'est pas des herbes, ou pardon. C'est des fleurs, en fait. Mais ça ressemble pas du tout au truc, en fait. Vous voyez? C'est marrant, hein, du coup, c'est là, mais ça n'existe pas vraiment, en fait. C'est ça qui est fun et marrant de voir. En fait, vous voyez, c'est pour ça que c'est bien, c'est qu'on voit des choses cachées qu'on ne verrait pas si on était simple joueur. Et c'est ça qui est marrant. Même si c'est des petits trucs, c'est marrant à voir. Voilà, là, ça permet de voir un peu la limite du jeu. Hop. En toute gentillesse et simplicité. C'est toujours sympa. Voilà, et c'est man ici qu'on va terminer de toute façon. Voilà. C'est toujours aussi fun. Voilà. Hop. Un super bonbon gratuit en plus de ça. Donc c'est parfait pour terminer le jeu. Alors, je vais récupérer ça aussi. Merci beaucoup. Je récupère tout, 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 tout. Ouh, une pierre plante, yeah. Ah, le cheat, c'est mal, mais c'est tellement tentant et amusant et fun à utiliser. Après, c'est mieux d'utiliser ce les cheats quand vous avez terminé le jeu, bien sûr. C'est conseillé pour pas casser l'expérience si vous avez jamais joué au jeu. Ce qui est logique en fait, hein, parce que vous n'allez pas faire le jeu. Si vous avez jamais joué, quoi. Oups. Ok. Voilà une démonstration que là on a un merde. Parce que ça ne s'arrêtera jamais. Parce qu'il n'y a pas de mur en fait. Du coup le truc ne peut plus s'arrêter. Bah c'est ici qu'on va terminer du coup. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une bonne continuation et un bon courage pour le reste. Non, je sais pas comment je vais m'arrêter. Décidément, je peux plus rien faire. Je suis coincé. Bon, voilà, ça vous montre un peu la limite quand on fait un peu con. Mais en tout cas, c'était marrant. Donc je vous dis à bientôt, c'était Desna et à une prochaine. Bye bye!
C'était un plaisir, ouais. C'était complètement buggé, comme moi.